Yo tout le monde, c'est Enshane, j'espère tous extrêmement bien aujourd'hui. On est parti pour débloquer le coffre le plus rare du jeu. J'ai remarqué ces derniers jours que à chaque fois que je terminais une partie, j'arrivais seulement au coffre numéro 3. Aujourd'hui j'ai invité mes meilleurs potes et on va tenter de faire une game extrême pour atteindre le coffre maximal. Ce que j'ai compris c'est qu'il va falloir que je survive à 30 vagues de zombies. Mais quand je te parle de zombies ma gueule, c'est des centaines de milliers de zombies. Heureusement que sur la dernière vidéo, on m'a mis en PLS, on m'a donné de très bonnes armes. J'ai donner mon maximum, ce que vous allez voir vraiment c'est mon maximum, malgré que je suis très bas niveau j'ai tenté de tous les éclater. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si je vais bien réussir à survivre aux 30 vagues de zombies et si on a réussi à débloquer le coffre le plus rare du jeu. Mais j'ai envie de me faire kiffer 15 000 likes sous cette vidéo là, je me fais plaisir, j'achète 50 lamas en vidéo pour vous. Seulement 30% des personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées à ma chaîne, donc vérifie dès maintenant si t'es bien abonné à ma chaîne secondaire, active la cloche et sur ce, bon visionnage. Bonjour la map, bonjour hello. Bienvenue Kratos, j'espère que tu vas bien frérot. Waouh, mets ta dans la main. Wesh, what the fuck. Donc là on est dans ma base, ouais. Pour lancer ce qui s'appelle une endurance, c'est 30 vagues de zombies. 30 vagues de zombies? What the fuck, ok. Si on gagne les 30 vagues de zombies qui arrivent dans notre gueule là, on débloque le coffre le plus rare du jeu. Toi tu l'as déjà eu ce coffre Kratos? Ouais. Genre beaucoup de fois ou pas tellement? Bah en fait quand tu fais des grosses missions comme celle-ci, tu peux le débloquer facilement. Ok d'accord, je comprends. On lance les gars, let's go. Oh là-bas, je crois qu'ils sont en bas les refs. Ouais, c'est quoi ça, mec, les boules? C'est des canards? Mec, ils se font exploser à dead. Donc, du coup, ça, c'est la vague 1 qui dure 1 minute 45. Et si on la gagne, on passe à la vague 2. Et notre but, c'est d'arriver jusqu'à la 20ème vague. 30ème vague! Donc, là, toi, Stylis, ce que t'as fait, c'est que t'as vraiment construit des pièges de ouf pour ouais. Nous faciliter la tâche. Ils arrivent jamais ouais. À passer quoi. Oh, what, y'en est sur la. Ouais. Ok, d'accord. Et encore, ça va, mec, tu sais que je les bute en une balle, mec? Parce que t'as une très bonne arme. Ah, toi Kratos aussi t'as des armes comme ça? Un peu moins fortes mais ouais j'ai des bonnes armes. Ah ouais, meilleures armes que toi alors que je suis niveau 2 frère. Ouais, regarde moi, ça. Je pense que je fais plus de dégâts parce que tu sais moi justement tu sais j'ai les survivants. Ah oui c'est vrai, c'est vrai. Ça m'augmente mes attaques. Donc eux leur but c'est de casser ce qu'il y a sous la pyramide ici, c'est ça? Ouais là c'est l'amplificateur, le A là. Ah mais attends, est-ce que s'il casse un amplificateur on a perdu? Ouais. Ah ouais. Et tu vois au niveau de West, t'as une sorte de brume blanche, c'est-à-dire que les zombies arrivent de cette brume okay. Blanche et brume aussi du coup violette. Putain c'est... mec, mais les nombres de pièges que t'as mis frère, what the fuck. Et c'est que des pièges légendaires ultra puissants ceux-là. Waouh, attends je bug. Aïe. Les gars j'ai un problème. J'ai plus de balles. What? Fabrication munitions balles légères. Ah ouais, ça fait automatiquement frère. Là j'ai changé d'arme, j'ai tenté de prendre l'épée frère. Celle-là. Lame spectrale. Waouh, on est stylé là quand même les gars. Allez les gars, let's go. Donc tu penses qu'il y a même une bonne PLS en vrai? Est-ce que toi, t'as ça? Ouais j'en ai, attends. Tu as vu combien j'en ai frère? Ouais, t'en as beaucoup. Et sachant que de base il m'en a donné 1000 mais je vais en donner 500 parce que on c'était là, trop... Ouais. Oh non. Attends. Fire! Il a fait exprès. J'ai testé mon épée les refs, vous êtes prêts ou pas? Vas-y. Mec je les one shot tous sur. Waouh. Venez à moi. Et là on en a beaucoup là quand même hein. C'est Noël. Ouais c'est Noël en avance les gars. Comme c'est Noël je leur lance des boules de neige allez. Waouh. Wesh. Oh tout à l'heure hier j'ai testé un pompe glacé. Ah ouais. Eh ton arme je l'avais en schéma 130. Ils sont en train de casser le build, what the fuck. Vous êtes prêts? Je vais faire tomber des météorites. Vas-y. Wouah, mec, je viens d'être KO, merde! Wouah, qu'est-ce qui s'est passé? T'avais genre un truc, c'est pour rien instant? Grenade! T'as dit, je suis nul. Je sais juste, je me fais one shot par les zombies surtout. Mec, y'en a tellement des zombies alors qu'on est vague 5, c'est quoi ce bordel, les gars? Par exemple, toi, t'as combien de builds là? Là, j'ai 180, 460, 500. Tu vois, par exemple, là, j'ai 1800 de pierre et 1500 de métal. Ah ouais, d'accord, ah oui. Ah ouais. Quand t'améliores du coup tes capacités, tu peux vraiment monter. J'ai plus de balles. Build beaucoup plus haut que la normale, tu vois. Déjà, je joue ma grenade, mais ma grenade elle est tellement nulle, frère. Ah ouais, coulis stratégique, c'est quoi ça? Wouah, trop bien, frère. Tu peux faire tes propres colis pour sauver le monde, genre. T'imagines sur Battle Royale, hop là, colis. Much later. Cette vague, il faut se battre.
Vague 20 les gars, let's go. Alors les amis, je vais pas vous dire combien de fois j'ai crevé, mais un peu beaucoup. Combien Kratok à peu près je suis mort? 30. 30 fois? Non. À chaque vague je suis mort une fois. Moi bon, même plus en vrai, ouais. Je pense, je pense que je crevais 2-3 fois par vague. Regardez, j'ai tellement utilisé mon arme les amis qu'elle a bientôt plus de vie. La barre rouge est à ça. Et là il faut qu'on aille se battre parce qu'on a perdu beaucoup de défenses qui sont pas mal pétées sur ce côté là. Oh putain, regardez, regardez tout ce qu'ils ont détruit un petit peu les zombies. Ils ont réussi à casser jusqu'ici. Heureusement on a encore des pièges mais c'est assez compliqué. Là c'est une manche spéciale, du coup il y a une tornade. What, c'est quoi ça? Si je vais dedans ça fait quoi? What the fuck? Ah ouais, ça met des dégâts mec, je vais crever. Donc là ça va utiliser roquette là. Les refs, allez on se concentre avec les zombies, ils sont niveau 35. Là, ça met beaucoup plus de temps pour les buter de simplement dans votre. Toi-même t'es pas prêt. Oh yeah. Excusez-moi les gars. Il y a des trucs derrière nous qui sont passés. Stylix. Oui. Est-ce que t'aurais une arme à me passer s'il te plaît? Oui. J'ai plus d'armes. Je regarde, 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 je te la montre. T'es prêt? Voici l'arme qui va être pétée. Hop. Oh. Voleur. C'est quoi? Oh. La Nocturno. 12700 de DPS. Combien ça? Ah ouais, donc en fait genre je peux en tuer un et le fait d'en tuer un seul. Genre par exemple si je tue. Oh, je suis mort. Putain. Help me Kratok, help me. Thomas c'est fort. GG les gars, franchement. Vague 20 mec, ils ont tout explosé mec. Et les gars, il faut faire gaffe hein, putain. Il nous reste encore 10 vagues à faire, c'est la hesse. Attaque par l'ouest, ok let's go les gars, vite vite vite. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est genre qui est niveau 1 qui va avoir le coffre le plus rare du jeu? Bah connaissance non pour le moment. Tu ne connais pas frère. Un niveau 1 qui a des armures que moi, non j'ai jamais. Mec c'est chaud là, c'est chaud, c'est chaud. Ah mais faut edit là. Hop là, 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 hop là. Manque un point, j'ai pas peur moi, j'ai pas peur du tout. Vague 22, faites. Let's go. On est arrivé à la vague 28. Regardez un petit peu les armes que j'ai dans mon inventaire. Stylix m'en a passé des nouvelles pour que je puisse tout simplement tenter de survivre face aux ennemis. Cette fois-ci, ils sont niveau 38. C'est très très long de les buter. Mais j'ai un sniper qui est niveau 144. Et j'ai aussi un pompe, les amis, qui est niveau 101 dans mon inventaire. Je vous montre comment il se joue. Tu peux viser. Et c'est un pompe qui va mettre des dégâts de très loin. Dead! Dead! Il met de très beaux one-shots. Oh putain, oh putain. Les zombies, on a eu pas mal de difficultés, regardez. Ils cassent énormément nos constructions que Stylix a mis. Ça a un peu rentré dans notre base, mais bon, en vrai, ça va. Plus peur que de mal. Et regardez le sniper, regardez ce que ça fait. Bam! Bam! Ça met des gros one-shots aux ennemis et des gros no-scopes aux petits joueurs. J'arrive avec toi, Stylix, là, c'est chaud, frérot. Allez, on le fait, on veut le coffre le plus rare du jeu. On veut le coffre le plus difficile à avoir, my boy. C'est pour vite les buter parce que ça explose nos constructions. Là, on a mis des casses de soins pour simplement. Je suis low, je me mets dessus et tout va bien. Alors, le sniper met des gros one-shots. Bam. Le pompe, ce qu'il fait, c'est que ce de proche ou de loin, il nous one-shot les ennemis. Les plus gros, c'est un peu plus difficile. Et là, bam. T'es Nocturno. Ma gueule, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Si je bute un ennemi, il va exploser. Vous avez vu, ça met des dégâts autour de lui. Je recharge, bah ça tout. Quand je recharge? Ouais. Ah ouais? Ah ouais, putain, mais what? Attends, mec, j'ai tenté de faire un truc. Évite trop de les buter. Et je vais en toucher plein. Et ensuite, je vais recharger, ça va tous les faire exploser. Genre lui, 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 lui. Et là, je recharge. Ah ouais, ça fait des explosions, d'accord. Oh putain, ils veulent PC les constructions là, il faut que je les aide. 7. Oh merde, je viens de mourir, t'inquiète, je suis protégé. Pour vous dire les amis, ça fait 2 heures qu'on est en train de faire les vagues. On est à la 29ème vague, ça veut dire qu'il faut à peu près 2 heures, 2 heures et quart pour tenter, si on réussit à gagner, de débloquer le coffre. Ah, j'ai hâte de l'avoir ma gueule. Donc là, ce qu'on fait à chaque vague, on récolte toutes les munitions. Les munitions, ça coûte vla cher. Sans les pièges, sincèrement, je pense qu'on aurait perdu. Il aurait fallu traîner le lance-roquette de ouf. Oh, j'ai plus de balles, merde. Il est où le boss? Il est où le boss? Je veux le voir. Ah, what the fuck? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est les mini-boss. C'est ça le boss là? Mais frère, il marche dans quoi? La vie qu'il a, frère! Mais attends, gros ventre, il a trop de vue, frère, c'est abusé. Oh, le stuff qu'il a lâché! Je peux protéger la base un peu. Je vais dead, les gars, je vais dead, putain. Oh, si on perd à cette vague, j'ai trop le seum. Il casse le point D, les gars, ça va, c'est la fin, on va dead! Si on perd un point, c'est la fin. C'est lui le boss là? C'est le mec à côté de toi? Attends, mec, tu sais quoi, il veut jouer à ça? Protège-moi, frère, protège-moi. C'est parti, on va jouer. Je suis encore mort! J'ai même pas le temps d'aller dans mon stuff! La vie qu'il a mec, ce boss, c'est quoi ce bordel? Mec, le nombre de dégâts que je vais mettre, c'est marqué le nombre de dégâts qu'on a mis ou pas à la fin? Ouais, à la fin. Ah ouais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir surtout combien de toi t'as mis, Stylix. Y'a un boss! Merde, les gars, y'a un boss!
Moi je vais dead. Ouais, les pièges à coups. Je saute, je me suicide. Oh putain, je m'en occupe, je m'en occupe. Mec, mec, mec. On a gagné, Enchain. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Donc là, est-ce que si je fais continuer, c'est là où je vais pouvoir voir le coffre? Est-ce que vous êtes prêts pour voir le coffre? Je compte sur vous pour tout exploser, les pouces bleus pour le soutien de la team. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, on veut voir la récompense. Les gars, j'ai gagné 1 600 000 XP, je suis niveau 18. Je suis passé de niveau 7 à niveau 18, les gars. 1 645 787 XP, les gars. 1, 2, mec, j'ai jamais eu celui-là aussi. Merci Kradox et Stylix. Okay. Le coffre à trésor s'ouvrira sur l'écran joué. A chaque fois les amis, ça m'arrêtait seulement au coffre niveau 3. Et là j'ai le coffre max. On a fait un score d'équipe de baiser. Je crois que mec, en étant ce niveau là, je m'en rends même pas compte la chance que j'ai eu de faire ce mode de jeu là. Alors que je suis éclaté, vraiment. Récompense de mission butin niveau 6. Yeah. C'est parti, on ouvre dans 3, 2, 1, bam. Mais est-ce qu'on peut avoir un replay sur ce que j'ai eu dans un coffre? Mais c'est nul. Suivi. Ça fait beaucoup là, non? Suivi de 420 récuplateurs. On va quand même prendre le schéma concasseur en cuivre grâce aux 600 gold qu'on a eu grâce au meilleur coffre. Qu'est-ce qu'on a dessus? Concasseur niveau 1 sur 1000. Let's go, on l'achète. Nickel. Je sais pas ce que c'est, frère, mais ça a l'air d'être cool. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on a tenté d'avoir le coffre max niveau 6. On a fait les 30 manches. Un grand merci à Kradok. Un grand merci à Stelix. Et puis, ce qu'on va faire, les amis, si vous voulez jouer avec moi, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui est en description. Là-bas, vous pouvez trouver aussi des joueurs pour jouer à Sauver le Monde. On se trouve à très vite pour la nouvelle saison de Fortnite Battle Royale, la saison 8, qui arrive d'ici quelques jours. Pouce bleu abonnement, je compte sur vous, n'oubliez pas. Le code créateur Unchain dans la boutique Fortnite ou alors dans la boutique d'objets Sauver le Monde, UNCHIND, vous m'acceptez. Et sur ce, bisous les gars. Ciao bye. C'est...